Bonjour à vous toutes et à vous toutes et bienvenue sur votre chaîne YouTube Radio Papyrus de votre consultant épique pour les radios, la 16.fr et la radio RDC.fr. Toujours un réel plaisir de vous retrouver pour vous divulguer mon pronostic épique, même si vous le voyez en ce moment, c'est pas facile du tout à trouver les bonnes combinaisons gagnantes du KT, tant que les arrivées sont vraiment très 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 difficiles à trouver. Mais bon, ça fait partie du jeu, on est habitué de ce côté-là. Alors pour notre samedi 13 mai, nous allons nous faire un petit tour en Normandie, sur le très très bel hippodrome de Caen, Réunion 1, course 3. Distance 2450 mètres, 16 de paire. Et là, je peux vous dire, mes amis, ça va être un très très beau quintet parce qu'il y a des noms que les turfistes connaissent. Et là, je pense qu'il va y avoir des beaux duels, des beaux matchs. Et je pense qu'on va voir, je me répète encore, un très très beau quintet à regarder. Il vaudra mieux l'avoir dans l'ordre parce que si c'est dans le désordre, je pense que ça va rapporter des cacahuètes. Il y a 4 bonnes bases qui se détachent avant le coup, bien sûr. Et même 2 bases qui sont vraiment au-dessus du lot. Pour information, en 2022, l'arrivée était composée dans le tiercé, dans l'ordre, des 3 premiers favoris de la presse. Donc c'est pour ça que je dis qu'il vaut mieux l'avoir dans l'ordre que plutôt dans le désordre. Mais ça, tout dépendra des conditions de course. Alors j'ai bien sûr placé en tête de ma sélection, c'est ce qui va certainement arriver dans beaucoup de sélections épiques, le 16 étonnant qui sera mon cheval du jour pour ce KT, vient de conclure 3 fois de suite à la première place. Va-t-il aller avec un 4e succès? Là, on le saura demain. Et en tout cas, c'est un super point d'appui pour vos jeux. C'est vraiment le cheval à battre pour notre KT de notre samedi. Il rattrape le temps perdu de ce côté-là. Donc, vous l'avez vu dernièrement dans un KT, il a survolé les débats. Je lui oppose quand même un sacré client qui sera le 15 au NEC. Là aussi, tous les turfistes le connaissent. C'est mon opposition directe à mon cheval du jour. C'est aussi un solide point d'appui pour vos jeux à retenir très très haut dans vos KT. Il peut même gagner. Mais bon, logiquement, le 16 est au-dessus de l'eau. Mais on ne sait jamais. Le 7. Attention, 7, mes amis, au Kaidou Gel. Voilà, c'est un cheval qui vient de prendre également de très 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 bonnes places. Je le pense capable de finir aussi dans les 4 premières places. Voilà. Et le 14, Élite de Beaufort, sera un bon très joli coup de cœur pour ce KT. Il vient de faire 3 courses de rentrée. Et il aura le boss à son succès. Donc, allez voir qui c'est. Tout le monde aura compris de ce côté-là. Donc, vraiment, mec, 4 très très bonnes bases pour notre samedi. Le 16, le 15, le 7 et le 14. Deuxième partie de ma sélection. Le 9, Orsidrui. Mais lui aussi a le droit de venir prendre une très belle place dans cette superbe course. Tout comme le 5, Happy Valley, elle a le droit de venir prendre une très belle place. Je termine ma sélection par le 6, Gangster du Vallon, mon coup de folie pour se gâter. Et faites très 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 attention au 12, Elvis du Vallon, que je pense capable de venir conclure dans la bonne combinaison gagnante de notre KT, qui sera mon coup de poker pour notre KT. En cas de non partant, le 1. Qui aurait pu inclure également ma sélection. Bon, il fera partie de mes choix et lui, mais voilà. Alors, mes 2 belles bases. Là, vraiment, demain, c'est rare quand je le dis en tout moment dans ma sélection, tellement que le 4 est dur à trouver, mais là, c'est 2 pénalties. Voilà. Le 16 et le 15. Mon très joli coup de cœur, le 14. Mon coup de folie, le 6. Et mon coup de poker, le 12. Mes 2 sur 4, le 16, le 15 et le 7. Mes couplets gagnants placés, le 16, le 15, le 7 et le 14. Je répète, dans très très belle sélection. Oui, c'est rare en ce moment, mais là, je pense que je suis assez confiant pour notre samedi. Le 16, le 15, le 7, le 14, le 9, le 5, et le 6 et le 12. Retrouvez ce pronostic sur la radio la16.fr, sur la radio rdc.fr, bien sûr. Merci pour tous les commentaires que je reçois sur ma chaîne YouTube. Bon, comme d'habitude, à l'heure où je fais ma vidéo, le KT de notre vendredi, comme c'est à 20h15, je ne le connais pas encore. Je mettrai le résultat, comme d'habitude, dans la rubrique communauté de ma chaîne YouTube. Voilà. Et puis, je vous dis à demain pour de nouvelles aventures avec le Squall, l'Ansois, le Pharaon, les courses.